Edmond Miller, et c'est un diplomate et américain. Eh bien, monsieur, dans un forum qu'il a participé en République dominicaine directement et à Santiago, eh bien, monsieur Mandé, l'ici juré pour les Nations Unies, pour les États-Unis capables d'établir une base militaire, pour être capable de mettre une base militaire en permanence et sous territoire et national là, en Haïti. C'est juste pour capable arriver quoi pesaque insécurité qui en Haïti et nous connaît que le président République là il était fait une demande côté pour la question crise alimentaire qui est en Haïti bien et monsieur mandé que les soldats ça yo et qui pral en Haïti yo même yo capable aider dans distribution manger c'est juste pour capable éviter et bandit l'autre nègre capable accaparer de manger ça yo mais Miller lui-même dans forum ça même il fait déclaration de nécessité qui gagne actuellement en Haïti pour capable gagner une base militaire en Haïti mais gagner divers et moun dans la vie nationale là et députés et l'autre autorité l'autre citoyen encore qui réactionnait à déclaration ça que Miller lui-même que Edmond Miller lui-même lui fait et la nécessité pour capable gagner une base militaire en Haïti et bien nèg ça même yo voyez rejeter et déclaration ça que Miller fait li par normal que Haïti que actuellement la peuple là qui dans la rue c'est juste pour capable demander changement d'après ça que eux même yo fait connaître en quitter nous ensemble avec en diverses autorités ça yo même après que nous fin tendez et déclaration de Edmond Miller et nous pas tendez réaction qu'on y a de divers citoyens ça sous nécessité pour capable établir une base militaire en Haïti. On suit ensemble. Crise politique dans le pays d'Haïti, ancien chef mission Nations Unies en Haïti, Edmond Miller plaidait en faveur d'installation et en unité l'armée américaine en Haïti, ancien officiel Nations Unies en fait déclaration ça y est, enfin, un forum qui déroulait en République dominicaine en baptême déstabilisation d'Haïti, enjeux et défis, décision ça capable de brider, résoudre crise là d'après Edmond Miller en réaction certains parlementaires haïtiens ouais dans déclaration ça, une tentative qui visait encourager une intervention militaire dans le pays à Winchel Adrien. Dans le cadre d'un forum qui t'a déroulé semaine ça dans Santiago, République Dominicaine, sur Haïti, forum yo baptisé déstabilisation d'Haïti, enjeux et défis. C'est un journal rapporté ancien chef mission Nations Unies pour Haïti, Edmond Miller, fait deux propositions sur problème Haïti. Parmi eux, il a encouragé une force américaine, United States Southern Command, installée en Haïti. Edmond Miller soulevé urgence qui gagnait pour gagner assistance humanitaire qui portait en Haïti et qui nécessité une force pour garantir alimentation haïtien yo yon suggestion en tout cas qui pas trop différent avec démarche ministre affaires étrangères démissionnaire Bouchid Edmond te déjà fait bon côté autorité américaine yo sous point ça député circonscription Mirbalea Abel Decoline exprimer préoccupation et puis questionner saluer les silences autorité haïtienne yo sous approche ancien chef ministre. Si on telle déclaration quand même gagnait toute signification, parce que quand il est question pour un diplomate étranger dans le cadre des Nations Unies pour que lui proposer à ce que une force étrangère qui relevait des États-Unis d'Amérique capable gagner une permanence dans le pays d'Haïti et que pas gagner aucune réaction officielle de l'État haïtien, ça a laissé présager que président actuellement, gouvernement actuellement, yo inscrit yo dans une dynamique, je dirais, d'occupation par des forces étrangères. Face à qu'inquiétude, approche ambassadeur Miller a suscité, député Abel Decoline encourager toute force vive pays à exprimer yo et puis demander Nations Unies pour porter clarification sous proposition yon fonctionnel yo fait dans le forum ça. Il revient maintenant avec toute force vive qui n'en payant pour que yo prenne position sous question ça. Nations Unies à ce que les clarifier
ont telle déclaration d'Edmond Muller. Député circonscription Marie Goa, Deus de Honnet, a assimilé suggestion ambassadeur Edmond Muller avec un projet pour encourager une intervention militaire étrangère en Haïti. Dans perspective ça, il rappelait pour Edmond Muller qui était déjà en Haïti dans tête mission stabilisation Nations Unies pour Haïti, principal combat à revendication population haïtienne. Nous ne nous battons pas pour une intervention des forces onusiennes en Haïti. Les forces onusiennes en Haïti n'ont jamais apporté ni la paix ni quoi que ce soit. Nous nous battons pour que la corruption cesse en Haïti. Nous nous battons pour qu'il y ait des politiques publiques efficaces en Haïti. Nous nous battons pour le respect des droits fondamentaux des Haïtiens. C'est ça qui constitue la base de nos revendications. Mais je pense que Edmond Muller, je pense qu'il comprend toujours nous sommes du temps de la colonie où il y a des colons et des esclaves. Non, là nous sommes un peuple libre qui revendique ses droits fondamentaux. Rappelez, United States Southern Command, c'est une unité combat qui sous dépendance département défense États-Unis, Corsa gain pour responsabilité planifier opération, coopération dans domaine sécurité dans Amérique là à Caraïbes là, Corsa gain base li dans l'État Floride. Winchel Adrien, Caraïbes FM. Merci Winchel Adrien. L'autre point d'actualité, c'est arrivé un nouveau responsable dans tête ILCC, M. Claudie Gassan, installé à Yamadi 3 décembre comme directeur général unité cap bataille contre corruption. ILCC lui remplacé dans poste ça major David Basile qui passait environ 2 années dans tête institution ça. C'est ministre économie et finance Joseph Joute qui procédait à l'installation nouveau DG ILCC, ministre démissionnaire qui salue travail major en tête institution, mandé nouveau directeur général pour faire tout ça qui est possible pour remplir mission là, comme bon citoyen pendant les reconnaître compétences. Maître Claudie Gassan, ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince, ont parti dans le discours ministre finance Joseph Joute Namiko, Caraïbes FM. Mesdames, Messieurs les directeurs, cadres et employés de l'ULCC, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, distingués invités, Mesdames, Messieurs, l'administration publique se trouve aujourd'hui sous la forte pression d'améliorer sa performance à travers plus d'efficience et d'efficacité en renforçant la transparence et la reddition des comptes dans l'usage des fonds publics qui deviennent de plus en plus rares. L'histoire récente des efforts de réformes économiques révèle que la réponse à ces revendications réside dans une amélioration de la performance et une meilleure gouvernance. Cette demande a conduit en Haïti à la création d'une plateforme de structure de surveillance et de contrôle dans laquelle s'intègre l'unité de lutte contre la corruption avec son petit nom ULCC, avec une mission générale de travailler à combattre la corruption et ses manifestations sous toutes ses formes au sein de l'administration publique afin de protéger les biens publics et collectifs, assurer l'efficacité des mesures et actions afin de prévenir, dépister, sanctionner et éliminer les actes de corruption et infractions assimilées, favoriser la transparence dans la gestion de la chose publique, établir un climat de confiance pour promouvoir l'investissement privé, moraliser l'administration publique et la vie publique en général. Mesdames, Messieurs, je procède ce matin à l'installation de Maître Claudie Gassan suite à sa nomination comme nouveau directeur général de l'ULCC. Sous l'effet de la dynamique des mutations à la tête de l'État, l'opportunité de cet acte trouve sa justification dans les responsabilités constitutionnelles du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, de veiller au bon fonctionnement des institutions. La création le 8 novembre 2004 de l'ULCC, cet important organisme autonome placé sous tutelle du ministère de l'Économie et des Finances, a été marqué par le fait que l'indice de perception de la corruption placé Haïti en 2003 parmi les pays les plus corrompus selon un rapport de Transparency International. Des années après, il y a certainement eu des efforts qui ont été consentis, mais il reste encore beaucoup à faire pour renverser cette tendance. Monsieur le directeur général, vous accédez à ce poste de haute responsabilité à un moment particulier de la vie nationale marqué par la méfiance légitime de la population
qui dénoncent de manière de plus en plus bruyante et pressante l'utilisation qui est faite des fonds publics. À cet effet, vous avez l'impérieuse nécessité de vous attaquer en priorité aux points de corruption les plus décriés, tout en mettant également en place des mécanismes visant à encourager l'engagement des tiers à renoncer à la corruption et à tout comportement contraire à l'éthique dans les appels d'offres pour marché public et l'exécution des contrats de service, comme l'indique entre autres le mandat de l'ULCC. J'espère que vous allez vous acquitter des tâches qui vous incombent avec le même sens de responsabilité, la compétence et le savoir-faire qui ont caractérisé votre passage dans les fonctions ou missions que vous aviez déjà eu le privilège d'assumer au cours de votre carrière. Pour cela, vous aurez besoin de la collaboration experte et désintéressée du personnel et des agents assermentés du ULCC à qui je lance un appel citoyen pour un engagement franc et sincère, à la fois inclusif et participatif, en vue de redynamiser cette institution de contrôle et de surveillance. M'a profité pour lancer un appel pour tout employé l'État à la Ronde Badet. Moi, je connais l'argent que nous avons touché à Piti. Et matin, nous avons une conversation avec le président de la République là, qui dit que nous connais l'État finance pays, mais débrouillez moi comme Jean-Jacques pour améliorer les conditions de travail. Moi, je connais que si nous avons touché à ne pas répondre à acheter la vie. Moi, je connais tout, dans pilarie et salaire, l'État a payé à temps. Même gens avec moi, nous avons un seul patron, qui c'est le peuple. Si la population fâche avec nous, l'a manifesté de tous côtés, c'est parce que nous n'avons pas de service, nous n'avons pas de résultat. Le patron parlait, il faut entendre. Au lieu, c'est un petit proverbe que je pile parce que je suis un brédien. Je ne parle pas de brédien tout le temps. Mon petit slogan, c'est aigri, cap maigri. Mais c'est différent. C'est peuple-là qui a maigri, alors que aigri a grossi. M'a parlé avec employé contribution. Ça a eu les DGI. Nous avons deux mois ministre, nous devons commettre Jean-Jacques pour me payer chaque monde. Avantage, privilège, même si au petit, je vais attendre. Je te fais une promesse pour yo bagnon prime. Prime nan décaissé, chèque nous nommé nous, c'est dans la radio que nous nous en grève. Posez, parce que plus moun nan la rue pas de travail. C'est vrai qu'on augmentation dans le job que l'État bayon sorti dans 60 000, nous tombons dans 96, mais l'État pas seul pourvoyeur d'emploi. Si nous pas qu'à travail, bah, le peuple a travail parce que plein de monde qui est compétent, plein de monde qui est tout neuf, qui a une fraîcheur pour travail, qui traîne dans la rue. Je ne sais pas combien de CV m'oblige à garder chaque jour. Et ça fait mal de ne pas travailler pour les gens. Chèque nous nommer nous. Je dis nous poser. Ministre Finance dit poser. C'est dans cet esprit que je formule mes voeux de succès à Maître Claudie Gasson. Que moi trop petit pour me présenter parce que pas quoi pas gon dans tout tous dans pays a qui pas connait non monsieur ça s'il pas connait figure li connait non fait job ou me compter sur merci en peu.
Alors, juste avant de passer la parole au nouveau DG, maître Claudie Gassé. Tape à côté, ministre Finance, l'ajoute Joseph, nouveau directeur général ULCC, ancien commissaire au gouvernement. Port-au-Prince, là, maître Claudie Gassan, qui reconnaît un pays pas mal marché, promet pour remplir mission le, comme sa droit. Claudie Gassan promet pour batailler avec toute force contre le phénomène de corruption qui bloquait développement pays. Il souhaitait joindre collaboration, tout le monde, principalement, cadre du LCC et avec l'autre entité dans l'État pour y recroiser le phénomène de corruption dans le pays d'Haïti. Maître Claudie Gassan. Les données disponibles montre que la corruption constitue l'obstacle majeur au développement et à la croissance d'Haïti. Fort de ce constat, je m'engage à faire tout mon possible dans le cadre de la loi pour combattre ce fléau et permettre à notre pays de connaître un lendemain meilleur. Madame, Monsieur, force est de rappeler que, conformément à la loi réglementant la prévention et la répression de la corruption, nous sommes appelés à engager une lutte sans merci entre elles et que tout manquement à cette lourde responsabilité met en péril la légitimité des gouvernants, les valeurs démocratiques et affaiblit l'État. Ainsi donc, j'en appelle à la collaboration de tous les secteurs de la vie nationale et à chaque citoyen et citoyenne afin que l'unité de lutte contre la corruption puisse apporter les réponses tant attendues par la population haïtienne en quête de justice et de bien-être. Plusieurs personnalités étaient présentes dans la cérémonie d'installation. Nouveau directeur général ILCCA, parmi eux, inspecteur général en chef police nationale, Hervé Julien Teguento, ancienne protectrice citoyenne, maître Florence Elidoyen, tribunal première instance, Port-au-Prince, Bernard Saint-Ville, qui était invité dans la cérémonie, mandé nouveau DG ILCCA pour voir un signal clair contre Zach Corruption. On doit y un tribunal civil, première instance, Port-au-Prince, le maître Bernard Saint-Ville, t'es dans le micro, Marc Garçon, Félistin. Je sais que vous avez reçu une formation initiale à Bordeaux, vous êtes avant tout magistrat. C'est la raison pour laquelle vous avez été nommé juge d'instruction au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Et vous avez eu un passage très remarqué au tribunal de première instance de Port-au-Prince comme juge d'instruction. Par la suite, le président Préval a dû faire appel à vous en 2006, si ma mémoire ne me fait défaut, pour occuper la fonction de commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. On a cessé de parler de vous comme un brillant représentant du ministère public et le parquet a été très actif lorsque vous avez eu à occuper la fonction de commissaire du gouvernement et vous avez même institué une sorte de permanence au niveau du parquet. Le parquet était joignable à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Par la suite, vous avez occupé la fonction de secrétaire d'État à la justice. Ensuite, vous avez implanté votre cabinet d'avocat. Ce n'est pas sans raison que le président de la République, usant des prérogatives que lui confèrent les articles 134 et suivants de la Constitution de la République, a fait appel à vous pour occuper la fonction de directeur général de l'unité de lutte contre la corruption. Je dois vous dire que le serment que vous venez de prêter est prescrit par l'article 10 du décret du 8 septembre 2004 créant l'unité de lutte contre la corruption. Même si à travers les articles 135 et suivants du Code pénal, certains actes de corruption sont réprimés, mais étant donné que, en vertu du principe de la légalité des délits et des peines, l'acte commis par l'individu, aussi préjudiciable qu'il puisse être pour le corps social, ne peut être sanctionné s'il n'a été prévu et réprimé par un texte en 2014, c'est-à-dire le 12 mars 2014, le Parlement haïtien a voté la loi sur la corruption. Certains actes de corruption qui étaient avant impunis sont prévus par cette loi. Il est question de moralisation de la vie publique. Et c'est ce même décret, le décret du 8 septembre 2004, qui prévoit la déclaration de patrimoine. La déclaration de patrimoine est surtout perçue comme une prévention de la corruption. Ça ne fait pas honneur à notre pays lorsqu'on parle à longueur de journée des actes de corruption qui sont commis et qui ne sont pas réprimés. Étant donné que vous êtes un magistrat très dynamique, compétent et expérimenté, je sais que vous allez faire fonctionner l'unité de lutte contre la corruption. Il y a des fonctionnaires qui sont assujettis à l'obligation de remplir
la déclaration de patrimoine. Et des sanctions sont même prévues à l'encontre de ceux qui ne se sont pas acquittés de cette obligation. Vous allez vous mettre au travail à partir d'aujourd'hui afin de faire en sorte que ces fonctionnaires respectent le vœu de la loi. Et je sais que vous êtes une personne qui a l'habitude de prendre de grandes décisions. Vous allez vous mettre au travail à partir d'aujourd'hui afin de lancer un signal fort à ceux-là qui seraient tentés de commettre des actes de corruption. Voilà, doyen tribunal civil Port-au-Prince. Pour l'instant, c'est Port-au-Prince. Non, maître Bernard Saint-Ville, c'était hier, puisque, en tout cas, prestation serment, maître Claudie Gassan, il était fait hier dans un tribunal là. Après installation, après pour t'as fait installation, donc dans le ministère finance. Jeune.